messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour la suite d'Idols. Alors déjà, je vais dire un truc. L'épisode va durer pas très longtemps, mais je dois vous dire des petits trucs qui seront très bien illustrés parce que j'ai que ça à faire en fait. Non, c'est faux, pas du tout du coup. Mais du coup, là, on va juste finir le chapitre 11 si je me trompe pas. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, on pourra recontinuer comme avant, un chapitre par semaine. Et j'ai rien à dire en fait. Du coup, voilà, donc aussi à la fin, il y aura l'explication de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière alors qu'il devait en avoir une. Et un autre truc, une petite anecdote qui vient de m'arriver et qui... Je ne sais pas comment définir ça. Mais du coup, continuons. Hein, j'ai envie de vous dire. Ça fait très longtemps. Je suis pas habituée. Ça m'a manqué, je vous avoue. Mais je sais pas. Nous tombons d'abord sur Kyungwan Moon. Il n'a pas encore enlevé son maquillage très prononcé entre le fond de teint épais et l'eyeliner très noir sous ses yeux. Bonsoir. Jette un regard interrogateur à Sora à côté de moi. Des membres de la famille de Colin Kwa que je les ai rencontrés l'autre jour, puis ici. Elle voulait vous féliciter pour le show. Oh, d'accord, bien sûr. Kyungwan nous sourit, charmeur et très assuré. Il a beaucoup de présence, de charisme. C'est très gentil à vous. Je suis ravie que vous ayez apprécié notre performance. Il se tourne ensuite à demi-tour par-dessus son épaule. Sunshine! Oui! Le main dancer accourt et enlace son ami tout en nous observant de ses yeux noirs et pétillants. Salut, vous avez gagné un prix VIP? Je savais pas qu'il y en avait pour le concert de ce soir. Non, elles sont de la famille de Colin Kwa que de Sir Star. Sora les a amenées pour qu'elles puissent nous parler. Ah ok, vous avez aimé le concert alors? Je suppose, sinon vous serez pas ici. Vous n'avez pas l'air d'avoir votre cage de tomates avec vous. Oui, c'était très bien. J'opine du bonnet pour enrichir. Même si je préfère forcément tout ce que fait mon frère, loyauté familiale l'oblige. Senkin ne se départ pas de son grand sourire et aux commentaires de ma cousine. Je n'ai pas de frère ni de sœur, mais je comprends très bien. Colin a de la chance. Vous voulez aussi voir Ryan et Woojae? Claire me lance un petit coup d'œil. Je sais pas trop quoi répondre. Ma cousine s'en charge à ma place. Si ils ont encore le courage d'échanger quelques mots après 2 heures de show, je leur demandais tout de suite. Ça fait plaisir d'entendre des compliments sur notre travail après tout. C'est qui bondit sur la profondeur des loges alors que Kyungwan entame une conversation sur des banalités avec Sora. Il ne faut qu'une minute au main dancer pour revenir tenant les deux derniers membres du groupe par la main. Bonsoir. Yann pose ses yeux bleus sur nous, j'imagine que c'est qui lui a déjà expliqué qui nous étions. Bravo pour votre magnifique performance. Le chanteur nous sourit poliment par-dessus son masque de fatigue. C'est gentil d'être venu jusqu'ici pour nous dire ça. À côté de lui, Woojae paraît hésiter, comme s'il ne savait pas comment réagir face à nous. L'espace d'un instant, il a de nouveau l'air de l'étudiant très discret et un peu gêné de l'université. Mais à ma grande surprise, il reprenait vite son expression de son aisance de star. Il lâche la main de Seki et se penche entre Claire et moi. Il effleure presque nos joues des siennes. Merci et à très très bientôt, j'espère. Ça fait tellement bizarre, j'avais tellement oublié qu'il était comme ça. Sa voix douce, susurrée, est presque celle de quelqu'un qui flirte. Je suis clouée sur place. La voix celle de quelqu'un d'autre agresse cependant mes oreilles. Le prénom de Woojae est prononcé comme un claquement de fouet. Bon, j'ai juste regardé ce qu'il y a eu depuis tout à l'heure parce que je regarde même pas. En fait, je sais même pas ce que c'est. Je suppose que... Oui. Ah, mais je sais pas. Bon. Voilà. Si ça vous intéresse. Ah, j'oublie toujours comment faire, ça y est. Ah oui, du coup, on a des informations supplémentaires qu'on avait déjà pour lui. Mm-hmm. Et j'ai autre chose... Bah non, ça s'arrête là. Manager Kim apparaît dans l'encadrement de la porte, les traits sévères pour ne pas dire mécontent. Woojae nous a fait un clin d'œil à moitié contrit alors que Kyungwan passe une main dans ses cheveux de feu. Nous devons y aller. Merci encore pour votre soutien. Bonne soirée les Summers.
Un agent de la sécurité qui accompagnait Sora tend le bras pour nous inviter à quitter les lieux au plus vite. Claire et moi, obtempérons, sont HVC. Ouais, non, par contre, les mots difficiles, ça marche pas. Hein. Je veux bien ne pas bugger, mais les mots que je dis pas, ça marche pas. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. J'ai l'esprit en ébullition tandis que nous quittons la salle pour aller prendre le métro et rentrer. Le lendemain matin, j'ouvre les yeux très tôt. Le soleil commence à peine à filtrer. Ouh. Machinalement, je tends la main pour prendre mon téléphone et faire un petit tour sur des réseaux sociaux. Mes yeux sont encore à moitié collés par le sommeil. Malgré tout, ils s'ouvrent tout grand d'un seul coup lorsqu'ils accrochent un titre d'article partagé sur Twitter. Colin Quack renie une partie de sa famille. Ma sœur, waouh! Mon cœur se décroche et tombe au niveau de mes talons, tandis que la sueur froide poisse instantanément mes paumes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Du coup, c'était vraiment très très court. Ah oui, ok, je savais que ça allait faire 5 minutes, mais. Voilà. Je suis vraiment désolée que ce soit juste ça. Je sais que vous attendez un grand truc et tout. Mais promis, on reprend le rythme. Je vous jure, j'ai pas d'excuses. Il faut que je trouve un gage. Non, j'ai abandonné ce que j'ai dit. Bref, juste, je sais pas si des gens ont l'aimabilité de commenter, même si vous n'êtes pas nombreux à regarder, vu que c'est toujours pas les couples. Je vous déteste, ceux qui font ça, ok, c'est pas bien. comment dire? Je sais pas quoi faire quand je serai à jour avec Idols, parce que je sais que Fly, que ce sera la suite. Sur une autre application, je sais pas trop, ça va arriver dans longtemps. Bon, je suis pas prête à être à jour parce que, vu que là, il y a le 24 qui sort ce mois-ci, on est au 11, du coup, ça fait encore 13 chapitres, oui. Bah, on va être au 12, du coup, 12 chapitres plus 1, vu qu'on va faire le 24 avec Aniel. Du coup, dans 13 semaines, oui, moi j'avais raison. On sera à jour et j'aurai plus rien à faire sur cette chaîne. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Je vais devoir trouver des choses, mais je j'ai encore pas trop d'idées. Et du coup, bah, je vous dis pas bye bye, je vous dirai à la fin. Mais je vous laisse avec mes deux petites, ma petite explication plus mon anecdote. Et voilà. Bah, à tout de suite. J'ai pas d'habitude de parler comme ça, mais écoutez, je vais faire comme ça. Parce que, ben, de toute façon, une petite voix off, ça vous plaît. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. C'est pas à cause de Genshin Impact. Bon, un peu aussi, mais pas totalement, parce que je joue quand même après avoir filmé. En gros, j'ai eu l'idée de commencer un webtoon. Enfin, c'est mes amis qui m'ont dit oh, tu devrais trop en faire un webtoon et tout. Je leur ai dit que je pouvais pas, parce que c'était par rapport à Genshin Impact. Et je leur ai dit que je pourrais faire. Two Sides, donc ma série Gacha Life totalement morte, d'ailleurs faut que je mette que je la continuerai plus, elle est dead, je ne la continuerai plus sur cette femme de Gacha Life, mais je vais faire un webtoon sur Two Sides. Oui, je suis totalement bête parce que ça prendra encore plus de temps que le faire sur, bah du coup Gacha Club, pas Gacha Life, mais du coup j'ai commencé la semaine dernière, et du coup je me suis dit, bah au lieu de filmer, je vais faire la couverture, plus commencer les premières pages. Ce que j'ai fait, et du coup, j'en suis à la page. Enfin, je dois faire la page 9 aujourd'hui. Enfin, je dois commencer à la page 9 aujourd'hui. Peut-être que je ferai la 10, peut-être la 11. Enfin, j'abuse un peu là parce que. Voilà. Mais. Du coup, c'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Surtout que j'ai pas l'habitude de dessiner à la tablette. Du coup, ça me prend énormément de temps parce que je fais de A à Z. Vous vous imaginez moi faire toutes les pages. Déjà au traditionnel parce que je suis une. Maniaque du traditionnel. D'ailleurs, on peut le voir sur mon Instagram, je poste que du tradi. Et d'ailleurs, ça change énormément. Genre, parfois, je regarde mes dessins, j'ai pas l'impression de reconnaître mon style. Enfin, c'est super bizarre. Mais c'est pas le même niveau que je vous montre la comparaison que sur mon Instagram et ce que je fais au tradi. Mais c'est pas mal, c'est le début, et je me dis que, bon, vu tout ce qu'il y aura, ça risque de s'améliorer après. Du coup, comment dire, je ne me décourage pas. Du coup, ça c'est pourquoi il n'y a pas eu
de vidéo la semaine dernière. Est-ce que c'est bon pour vous? J'avoue que c'est un peu une excuse à chier, mais au moins, si vous voulez me suivre aussi sur Webtoon, pourquoi pas. Ensuite, ma petite anecdote. Alors, la semaine dernière, je crois... non, c'est toujours cette semaine. C'était lundi, me semble. Comme chaque soir, je dessine. Et j'ai ma tablette en face de moi pour regarder des vidéos en même temps, bref. Et juste au moment où j'allais faire mon sac pour aller en cours demain, parce que, comme vous aurez oublié, je vais encore en cours. je tombe, je regarde des, vous savez, des edits sur des personnages animés. Puis je clique sur Levi et je vois un truc de My Hero Academy à côté. Je clique parce que, voilà. Et ensuite, je vois une vidéo qui me dit quelque chose, parce que le nom de la chaîne était Oshako Midoriya, qui est ma chaîne où je faisais des vidéos de Nightcore il y a 3 ans. Et j'ai laissé cette chaîne il y a 2 ans et je pensais l'avoir supprimée. Et en fait, j'ai cliqué sur la vidéo en question. Et comment dire que les stats, ça pique un peu parce que je n'ai plus les mots de passe de cette chaîne. 7 millions de vues sur la vidéo et 20K d'abonnés dessus. La chaîne. Même ma chaîne actuellement ne compte pas autant de trucs. Et ça m'a foutu le seum, un point, parce que c'est une chaîne que j'ai totalement abandonnée. Les gens, ils sont abonnés, les 24 personnes, je pense, enfin les 20K, parce qu'on a redit, je dis 24. Bref, ils doivent se dire, pourquoi je suis abonné à cette chaîne? Qui est cette personne? Et je vous me demande aussi, pourquoi vous êtes abonné à cette chaîne? Venez ici. Le pire, c'est que j'aurais pu le faire. Mais déjà, les gens, ils sont abonnés pour l'édit. Enfin, l'AMV, ils disent peut-être un jour elle va reprendre. Bah non, je n'ai plus les mots de passe de cette chaîne. Je ne sais même pas où elle est. Je sais peut-être que je peux la retrouver, mais je sais pas comment. Honnêtement. Et du coup, j'ai pris ça, mais en retrouvant ça. Et c'est chiant, en fait. Du coup, voilà, j'aimerais beaucoup la retrouver. Et peut-être que les gens vont se dire, ah, ça se peut tu bluffes, c'est pas toi. Je vais vous montrer des choses qui peuvent que être moi qui les a fait, parce que j'ai pas vraiment de preuves, mais je vais vous montrer des trucs. Vous allez comprendre. Et d'ailleurs, ça me débecte. Genre, par exemple, sur cette vidéo, ce dessin moche, on en parle. Je faisais aussi, vous vous souvenez, les MMD, je faisais des photos avant quand c'était à la mode et tout ça. Et genre, je retraçais, parce que j'avais pas de tablette graphique à l'époque et je savais pas dessiner. Du coup, je retraçais pour faire Armin et moi, du coup. Et franchement, à 10 ans, c'est chaud de faire ça, ok. Non, je sais même pas quel âge j'avais. Un autre truc que je peux vous dire aussi, si vous regardez, il y a un edit où je mets des certains chips de My Hero Academia, il y a que moi qui les chip. Parce que si vous regardez ma vidéo embrasser, marier, tout ça, sur My Hero Academia avec Marine, on dit exactement les mêmes, on parle exactement des mêmes chips. Moi en tant que Chaco et du coup qui aime Deku, elle en tant que Tsuyu et qui du coup qui aime Jiro. Et je pense qu'on avait aussi parlé de ma meilleure amie en tant que Momo et qui aime Shoto. Et du coup le dernier c'était Denki Kyoka, Kyoka qui était une de mes anciennes potes. Enfin, laissez tomber, parfois, je n'explique pas comment je réfléchissais avant. Du coup, voilà. C'était juste une anecdote nulle. Que j'ai un peu le seum, mais voilà. On n'a pas tout le temps de chance dans la vie. Mais du coup, j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite d'Idols. Ça va faire vraiment bizarre de refilmer autant de temps après. Autant de temps. Pas avoir filmé. J'en ai marre de répéter la même chose, bref. Bye bye.